Sophie. Salut Priscilla. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ça va, la mer est belle. Un peu agitée, mais ça va. Écoute, je viens pour mon cours. Oui, on va se préparer. T'admirer, plonger dans les profondeurs. Je ne vais pas pouvoir te suivre, mais je vais essayer. Un petit peu au début au moins. Voilà. On va essayer, on va se mettre en condition. D'accord, donc, écoute, on va se poser tranquillement sur les rochers, faire un petit peu de respiration, d'assouplissement du diaphragme. Génial. Donc, quelques petits exercices que tu fais juste avant de plonger, toujours. Voilà, pour se détendre encore plus que ce qu'on l'est déjà ici, en Guadeloupe. On est déjà bien décontracté. Donc moi, je m'assois directement. D'accord. Tu peux aussi t'allonger si tu veux. Ouais. D'accord, tu vas essayer de prendre des grandes inspirations pour l'instant, en essayant de bien dissocier la respiration ventrale de la respiration thoracique. D'accord, d'abord, tu gonfles ton ventre, tu aspires par le nez. Et tu expires tout doucement dans le sens inverse. D'abord les poumons. Et ensuite le ventre. Tu vides, tu vides, tu vides. Donc, on va reprendre maintenant à gonfler le plus d'air possible, d'accord? Tu vas remplir le plus d'air possible et ta dernière goulée d'air, tu la prends bouche en l'air comme si tu gobais une pomme, tu sais. Comme ça, tu te remplis vraiment jusqu'au bout. Et moi, comme je t'expliquais, je vais faire la carpe. C'est-à-dire que je vais prendre encore plus d'air que je peux emmagasiner. Et ensuite, on s'étire tout doucement vers le haut, ok? Ok? Allez. Tu es arrivée ici en Guadeloupe il n'y a pas très longtemps, c'est quelques années ça déjà. Ça fait 5 ans que je suis installée en Guadeloupe, mais j'étais venue il y a 8 ans déjà en vacances, voir un ami qui habite là. Il habite en Grande-Terre et j'avais repéré tout de suite sur une carte touristique le phare de Vieux-Fort. Et donc j'avais loué une voiture, j'étais venue ici et j'ai eu un gros coup de foudre pour cet endroit. Et alors t'as commencé, c'est comme ça que tu as commencé l'apnée en Exactement. Étant... Les premières apnées que j'ai fait, c'était ici pour voir les poissons, voir les tortues. Et puis j'ai rencontré François, qui est aujourd'hui mon entraîneur, qui était en train de monter un club d'apnée, de se raffilier à un club de basse terre, le CNRBT. La section apnée s'est montée, donc il cherchait un peu de personnes pour renforcer les groupes. Donc je suis venue pour m'amuser, pareil, pour améliorer mon apnée, en me disant que je pourrais rester plus longtemps, voir les poissons, voir les tortues au fond de l'eau. Et puis après on est venu à la compétition, pareil, c'était au départ pour m'amuser, un petit défi, et puis ça a bien marché. Et je continue là-dedans. Ça a été, j'imagine, des étapes très importantes, fondamentales pour arriver à ce record de 6 minutes 38 d'apnée. Ouais, incroyable. Bien sûr. Mais je reste persuadée que n'importe qui, et moi j'en ai été l'exemple, commence à apprendre l'apnée, on a tous une marge de progression énorme. Dans les 3-4 premiers mois, on va tous augmenter de plus de 50% notre capacité. À la base, une personne lambda va faire une minute sous l'eau et... On progresse très vite, ensuite c'est comme un peu la profondeur, les secondes se gagnent avec beaucoup de modestie et beaucoup de patience. On a testé différents types d'entraînement et puis on a vu ce qui s'adapte le mieux à moi.
Quand on est en profondeur, il y a, j'imagine, un moment de sursis. Il faut développer une véritable confiance pour supporter l'état où tu sens le manque d'oxygène qui te ferait naturellement remonter à la surface. Il faut garder confiance en soi et surtout ne jamais paniquer. Ne jamais paniquer, c'est ça. C'est la panique qui pourrait nous faire avoir un accident. Mais c'est naturel pour moi, on va dire. C'est un moment où tout s'arrête finalement. Le monde s'arrête quand on est au fond et qu'on est... On se sent haut, soi-même. L'essence même de l'apnée, c'est la mer, c'est la profondeur, c'est l'élément naturel. Et pouvoir s'accrocher à une pierre au fond et écouter les baleines chanter, c'est un aboutissement.